j'ai travaillé dans Criteo, donc c'est une boîte qui est native digital. Ce n'est pas la même façon d'aborder l'agilité que des boîtes qui sont dans notre métier. Comme on a fait une transition de base d'abord, mais après on a fait des changements critiques avec vitesse. On a eu comme levier très important avoir les supports complets de management qui poussaient très fort et si on avait besoin de quelque chose, ils nous aidaient pour faire cette transformation. On a utilisé une deuxième pyramide hiérarchique pour aider à cette transformation parce que d'abord on avait une hiérarchie purement technique et on avait des problèmes pour se coordonner entre projets et de parler avec le business de la problématique qu'ils avaient. Et donc on a créé une deuxième partie hiérarchique pour gérer ce type de problème, pour coordonner les différents projets et avoir un lien plus direct avec business sans passer pour l'autre hiérarchie et faire avancer les projets plus vite. Et dans ce nouveau groupe, on a appelé les Engineering Program Manager, EPM. Et donc c'était tous les, on appelait avant soit Product Owner, soit Project Manager, ça dépendait de projet. Et on les a mis tous ensemble et on fait des meetings régulières pour partager qu'est-ce qu'on fait et pour se coordonner avec les autres. Et on a un chef de tous les groupes qui est au même niveau de top management dans R&D. Pour gérer la problématique business et technique au même niveau.